Au-delà d'une loyauté envers le Canada en tant que terre d'accueil, d'une adhésion au libéralisme multiculturalisme de l'État canadien et d'un réflexe de vouloir conserver un statu quo social, politique et économique auquel ils sont accoutumés. Il ne faut pas sous-estimer une raison beaucoup plus émotive pour laquelle plusieurs de nos concitoyens d'origines diverses votent stratégiquement pour le Parti libéral du Québec et contre l'indépendance du peuple québécois. Ils ont très peur, même si cette peur n'est pas fondée, ils ont très peur que la victoire du oui lors d'un référendum chèque en blanc permettent aux Québécois d'ascendance canadienne-française et de culture catholique d'établir une ethnocratie, c'est-à-dire une façade de démocratie libérale cachant des politiques nationalistes conservatrices de discrimination légale basées sur une préférence nationale pour les membres de la majorité ethnique et religieuse par rapport aux membres des minorités, notamment pour l'emploi, le logement et les services publics. Il faut donc cesser de croire que l'on peut dissiper ces angoisses profondes avec des belles promesses qui sonnent fausses ou par le seul recrutement de quelques hommes et de femmes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour donner l'apparence d'être inclusif et mieux se défendre contre des accusations d'ethnocentrisme. La solution, sans être une panacée, est de tenir un référendum sur une question d'indépendance après l'adoption d'une constitution provisoire qui, anticipant la constitution de la République du Québec permanente, définirait le peuple québécois comme incluant la communauté historique francophone, la communauté historique anglophone et tous ceux issus de l'immigration ancienne et récente qui sont appelés à s'intégrer à la communauté francophone élargie. Ce texte fondateur cimenterait ensuite un état de droit dans lequel tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, sont des personnes égales en droit, liberté, devoir et responsabilité. Finalement, cette constitution scellerait l'obligation de l'État québécois de reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones du Québec. Ayant eu l'audace de prendre ce virage vers la République, les historiens s'amuseront peut-être à dire que la génération fondatrice du pays ne se souvenait plus que l'indépendance du Québec était impossible, alors elle l'a fait. Merci Vladimir. Maintenant, c'est place à l'Arabie pour la suite. Oui. Chers amis patriotes et républicains, depuis plus d'un an, le Carré Bleu, dont je suis un des organisateurs, avec M. Richard Poirier, vous convie à cette marche républicaine à travers Facebook, entre autres. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur Facebook. On était quelque chose comme 580. L'an prochain, ce 1er juillet, soit honoré comme rendre hommage à la République future du Québec, autant que possible. Pour nous, ce n'est pas la fête du Canada, mais c'est la fête de la future République du Québec. Oui, la résistance. Oui, les Québécois sont nombreux à vouloir changer de régime politique. Les sondages nous le redisent souvent. La très grande majorité des Québécois rejettent la monarchie anglaise. Nous n'avons jamais voulu un monarque pour chef d'État. Depuis 1759, c'est-à-dire depuis 255 ans, nous avons espéré nous débarrasser de ce régime colonial anglais d'un autre âge est complètement inapproprié devant notre quête d'un État moderne et de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, le Carré Bleu demande un référendum. Un référendum concernant l'abolition de la monarchie. Et sur les médias sociaux, on vous en parlera prochainement. Nous exigeons un référendum concernant cette abolition de la monarchie dans les plus brefs délais. De nombreux autres peuples demandent la même chose. L'Écosse, l'Australie, l'Espagne, la Catalogne, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, etc. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est 43-44% en faveur de l'abolition de la monarchie. On veut l'abolition de la monarchie et on veut l'instauration de la République du Québec. Donc, aujourd'hui encore, nous manifestons pacifiquement en espérant que notre message sera entendu par la population et par ses représentants. Nous avons choisi la date du 1er juillet, jour de la fête du Canada, pour bien faire comprendre que notre fête à nous, c'est plutôt la fête de la future République du Québec.
Nous entendons continuer dans les années à venir à organiser à chaque 1er juillet une marche républicaine, et ce, jusqu'à la victoire finale. Il faut en faire une tradition. Nous comptons sur vous pour venir grossir notre noyau organisateur et faire en sorte que l'événement prenne de l'ampleur dans les années à venir afin que notre appel à la République soit bien entendu. Il faut absolument en arriver à débloquer le statisme politique que subit le Québec. Nous sommes quelques-uns à vouloir tenter aussi une nouvelle expérience avec l'aide des médias sociaux, toujours, entre autres. On veut mettre sur pied une constituante provisoire. Nous pourrions initier le projet par un site ou un mur sur Facebook qu'on nommerait Constituante provisoire québécoise. Monsieur Alain Bergeron, qui parlera après moi, serait disposé à initier ce site. Le Carré Bleu supporte cette idée et va s'impliquer. Les résultats seraient bien sûr anticonstitutionnels, mais à la bonne heure, le peuple québécois n'a jamais entériné aucune constitution canadienne. Il serait temps qu'il se donne la sienne en propre. Bravo! Vive la constitution du Québec futur! On nous dira encore que cette constitution sera illégale et non avenue. Eh bien, il suffira de la faire sanctionner par le peuple pour qu'elle le devienne. Cet exercice non officiel de constituante pourrait secouer l'imagination des citoyens et de ses représentants et les mettre sur la bonne voie pour débloquer le processus d'accession à l'indépendance. On s'en reparle sur le site du Carré Bleu, si vous voulez bien. Pour terminer, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, particulièrement M. Richard Poirier, qui est l'idéateur et l'initiateur de ce projet. Des Carrés Bleus. Il a travaillé sans compter. Il y a aussi M. André Lepage, Lorraine Bissonnette et aussi d'autres qui ont été d'un soutien précieux depuis le début. Mais bien entendu, Cap sur l'indépendance et la Société Saint-Jean-Baptiste est derrière nous. Alors, à tous, chers amis patriotes républicains, merci d'être venus à cette marche québécoise républicaine. Vive le Québec indépendant et républicain. Vive le Québec libre. Merci. Merci Alain. Dans très peu de temps, on va se rassembler ensemble puis on va s'organiser pour la marche derrière une banderole que je vais vous expliquer tantôt. Reste quelques discours à vous livrer. Prenez patience, on va arriver à la marche très bientôt. Merci. Salut tout le monde, mon nom c'est Alain Bergeron et je suis un simple citoyen québécois. Merci Richard pour l'organisation de cet événement. Merci surtout à tous et chacun d'entre vous de vous impliquer et de faire que l'on devienne. Ça fait assez longtemps qu'on se bat et il faut absolument qu'on continue le combat de façon claire afin d'amener d'autres gens à se mobiliser comme vous avec nous et à se rassembler derrière le projet de la République du Québec. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Lorsque la République sera un jour un fait accompli, le 1er juillet, on fêtera encore la fédération, mais on fêtera nos États fédérés québécois. J'ai le goût de faire un petit clin d'œil aujourd'hui à une des Premières Nations, la nation iroquoise, pour son implication à protéger notre terre-mère. Parce que s'il y a une chose où je suis radical dans ma vie, c'est la protection de notre environnement, de notre terre québécoise. Et ces gens-là se battent, ils se battent encore pour protéger la terre-mère, l'avenir de nos générations futures. Et j'ai le goût de leur remercier pour ça aujourd'hui. «
Je m'en venais aujourd'hui, puis je me suis beaucoup intéressé à la réalité des patriotes, parce que j'ai pas malheureusement beaucoup d'instructions, puis la vie n'est pas un hasard, et Julie va pouvoir vous en parler plus longuement. Mais vous savez, il y avait, lors de la réunion des six comtés, les gens s'étaient mobilisés pour promouvoir de façon concrète la démocratie. Et malheureusement, pour se défendre, ils ont sorti les armes. Et nous ne devons jamais plus sortir les armes pour nous défendre. Nous devons se donner un pays parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous allons devenir. En terminant, j'aimerais vous inviter cordialement à vous joindre à une nouvelle page Facebook qui s'appelle l'Assemblée constituante provisoire du Québec. J'aimerais connaître parmi d'entre vous quels sont ceux et celles qui connaissent un peu le principe de l'Assemblée constituante. Alors, vous voyez, on part de loin. Cependant, c'est important que dans notre démarche qui va amener la population du Québec à se doter d'un Québec indépendant, on doit définir le projet de pays. On doit définir le projet qui va nous amener à l'indépendance pour inclure dans ce projet-là toutes les nations du Québec d'aujourd'hui. Alors, je vous invite cordialement à vous joindre pour vous informer concrètement de ce que c'est une assemblée constituante, quel sera le modus operandi de cette réalité-là. Alors, si vous allez sur le site Assemblée constituante provisoire sur Facebook, ça va vous donner les éléments nécessaires, parce qu'on est ici en tant que simple citoyen, et dans le projet qui va nous mener à l'indépendance, il faut que le peuple québécois se réapproprie de sa pleine souveraineté. Merci. Alors, la majorité des cégeps au Québec n'enseignent pas l'histoire du Québec. L'histoire du Québec est, pour ainsi dire, plus enseignée au secondaire. Notre histoire du Québec, que nous, là, la majorité que je vois ici, les générations, là, l'histoire du Québec que nous, on a eu, Québec-Canada, en secondaire 4, a été transformée dans un cours d'histoire qui s'appelle « Éducation à la citoyenneté ». Ce n'est plus de l'histoire du Québec vraiment. Alors, c'est pour ainsi dire que depuis, finalement, 2006, là, les jeunes qui vont à l'école, que ce soit secondaire ou collégial, n'apprennent pas l'histoire de la société dans laquelle ils vivent. Bon, alors ça, c'était mon petit point politique. Sinon, simplement vous dire, écoutez, la République du Québec, évidemment, bon, un prédécesseur ici a dit que c'était depuis 1759 qu'on la souhaitait, ce qui n'est pas faux. Mais notamment, moi, je m'intéresse au discours de Louis-Joseph Papineau. Et Vladimir a dit qu'il a été inspiré par un Québécois d'origine haïtienne pour être favorable à la République québécoise. Ben moi, je me suis laissé inspirer par un bas-canadien, Louis-Joseph, alors de son petit nom. Alors, notre ami Louis-Joseph Papineau et ses députés patriotes, juste rapidement, vous rappelez finalement la signification de notre drapeau. Et je vous dirais que souvent on croit que notre drapeau est à l'identique au drapeau de la République irlandaise, ce qui n'est pas tout à fait vrai, vous irez vérifier. Évidemment, les lignes de notre drapeau patriote à nous sont en sens inverse du drapeau irlandais, première chose. Et les couleurs de notre drapeau, simplement vous rappeler que Louis-Joseph Papineau, les députés patriotes qui ont adopté ce drapeau en 1832, ont donc voulu vraiment montrer que faire l'indépendance du Québec ou du Bas-Canada, c'était faire l'union de toutes les communautés. Alors, Louis-Joseph Papineau et les patriotes se sont battus pour une société démocratique. Alors, moi, ce que j'aimerais comme message que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est faisons-le pour nous, faisons-le pour la majorité, faisons-le pour la démocratie. Faisons pas ce mouvement-là contre les autres, contre qui que ce soit. Nous sommes au Québec, nous sommes majoritaires, nous sommes forts, nous avons de fortes institutions, nous sommes capables de mettre un holà à la corruption. Bon, alors, nous sommes capables. Alors, je termine en vous rappelant, donc, le vert, c'était pour la communauté irlandaise, qui était très, très, très nombreuse à l'époque.
Le blanc, c'était pour les Canadiens d'origine française, donc ceux qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, donc nos ancêtres pour la majorité d'entre nous aujourd'hui. Et le rouge, c'était pour les Britanniques. Alors, Canadiens anglais, ben en fait, anglais ou écossais de l'époque. Donc, il y a eu aussi ce qu'on appelle les Anglais. Il y avait des Britanniques favorables à ce mouvement démocratique. Alors, voilà. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aux organisateurs du Carré Bleu. Félicitations et merci de m'avoir invité à faire un petit laïus. Merci beaucoup. Alors, juste un petit moment avant de s'organiser pour la marche. Monsieur Robert Bobserois a quelques rajouts à faire avec son discours de tantôt. Ben oui, j'ai complètement oublié. J'avais une nouvelle à vous annoncer, puis je l'ai oubliée. Elle est revenue. Alors, dans cette période morose de la dernière élection, où on pense que l'indépendance du Québec est morte, où ce qu'on pense que l'indépendance du Québec n'existe plus, je vous annonce que pendant le règne des libéraux, il y a une fédération sportive québécoise qui, dans environ un an, va faire une demande officielle de se séparer de la fédération canadienne et de demander son indépendance sportive pour participer dans les championnats du monde. Alors, l'indépendance sportive du Québec s'en vient. Parce que du moment qu'il y en a une, et c'est une des très grosses fédérations québécoises de sport, quand il y en a une qui le fait, les autres suivent. Alors, l'indépendance s'en vient avec le sport. Merci.